Technically, pratique. C'est pas pratique, ok? Live that life, girl. Live that life. Hello, my beautiful people. Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Davina. Do not forget to subscribe and also to turn on your post notification because you don't want to miss any of my videos. You already know the drill. So as you can see, I am very chill and laid back today because today is Sunday. I am about to pack my suitcase for my next trip. And I figure, why not film it and show it to you guys? Parce que je sais que souvent j'ai des questions de qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je peux emmener, how do I pack? So today, the flight attendant Davina is about to give you all my tips and tricks. Qu'est-ce que j'emmène pas, ce que tu peux emmener, blah, 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 all that drill. But before we get into this video, make sure you like, comment, and subscribe. Thank you. Okay, première chose, j'ai soif. I'm gonna need some water before I start this video. What about some Perrier? Seriously, I really need to be sponsored by Perrier because I always drinking some sparkling water. If it's not Perrier, c'est Montelier. C'est les deux marques que je bois tout le temps. Lego. Partager sur Instagram. Je sais pas si avec les lunettes peut-être vous n'avez pas à le voir, but maybe you guys can see that this eye, it's still swollen. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air cette année, mais les allergies sont à un niveau là extrême. My eyes were so red, they were itchy, so dry, comme ils avaient plus d'eau là. Just to give you an idea of how dry they were, okay? J'ai acheté des gouttes pendant mon voyage à Bruxelles. Un seul œil, ça a fonctionné. Lui, justement, that bad boy, that was the one that was the most stubborn. It didn't work really well. J'ai fait le vol avec un œil rouge et un œil blanc, you know, just a new style. Puis là, arrivé à Montréal, this one just decided to be so swollen. Maintenant, je suis présentable. But the other day, sérieux, j'aurais jamais osé me mettre à la caméra. Like, déjà, je me mets à la caméra like this. Je me mettrais jamais à la caméra comme ça. This was really, really bad. But just to let you know, sometimes life hits you with a punch. And it is what it is. So, je pouvais pas filmer, je pouvais rien faire. I had to rest. C'est encore un petit peu enflé, mais ça va mieux. Au moins, c'est plus rouge. It's not dry as much. It just, je sens que ça me dérange. Like, I feel like something is bothering me. But anyways, just to give you guys a little quick update. But right now, we're about to figure this thing now. On va préparer la valise ensemble. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que j'emmène. Et ça va vous donner des astuces sur vos prochains voyages aussi. Like, if you want to travel with a carry-on. Ça, c'est vraiment ce que j'emmène. J'ai ma sacoche. J'ai ma boîte à lunch. Et j'ai mon carry-on. OK? On a deux types de valises. J'en ai une plus grosse, mais celle-là, c'est vraiment la plus petite. C'est celle que j'utilise vraiment l'été. À moins que je m'en vais pendant plusieurs jours, je vais utiliser les autres valises. Bon, sinon, celle-là, c'est vraiment un standard carry-on. Même si c'est un petit peu plus petit qu'un carry-on, mais ça, c'est un vrai de vrai carry-on. C'est pas les valises que vous voyez les gens y emmènent, là, des fois, là. Ça, c'est pas standard. But who am I to judge? Ce que je vais faire, c'est que là, je vous ai même pas dit encore. I am going to Los Angeles. I'm going to LA tomorrow. Tomorrow is Monday. For two nights, but technically one day. Parce qu'on arrive le soir, lundi soir. But because there are 3 hours back, c'est pour ça qu'on a comme deux nuits. Fait qu'on fait une nuit lundi, une nuit mardi. Mais techniquement, on a vraiment toute la journée de mardi. So I'm going to pack in consideration that maybe we might do something Monday night, which I really doubt it. Parce qu'après un vol de 5 heures, c'est quand même 5 heures à Montréal, Los Angeles, là. C'est l'équivalent d'aller à Londres, which is crazy. Bon, après un vol de 5 heures, je ne sais pas vraiment si on va avoir l'énergie de sortir. But I'm going to pack in consideration that I'm doing 2 nights and 1 day. Premier truc que j'ai à partager avec vous, fiez-vous vraiment sur le nombre de nuits et le nombre de jours que vous faites à votre destination. Ce que je veux dire, c'est que même si vous partez pour 7 jours,
N'oubliez pas que là-dedans, vous avez vos jours de voyage et vous avez les jours que vous êtes vraiment à votre destination. So, even if you say you're traveling for 7 days, but how many nights are you really staying at your destination? Est-ce que vous allez vraiment sortir 6 ou 7 jours au restaurant ou vous allez sortir 5 ou 4 jours au restaurant? Just so you know, so you don't overpack, parce que tu ne fais pas toutes les journées au restaurant, tu ne fais pas toutes les journées dans ton hôtel, tu ne fais pas toutes les journées à la plage. So, really figure out how many days really you're going to be there, how many nights you're going to be there. So, you can really pack in consideration so you don't overpack. Parce que c'est ça qui arrive souvent, c'est que les gens vont amener trop de vêtements qu'ils ne vont même pas utiliser. Ou ils ne vont pas amener assez de vêtements et ils vont devoir remettre les mêmes vêtements. Make sure you take in consideration how many days and nights you're spending at your destination. Je vais enlever tout, pouvoir mettre vraiment qu'est-ce que j'ai besoin, parce que là, c'est pas vraiment LA, like, you know what I mean? So, let's just clean this out. Et voilà, ma valise elle est complètement vide. So, we're really starting from scratch. Alors, I'm going to LA, Los Angeles, California. Deuxième chose, c'est quoi la température là-bas? Actually, you really check the weather. So, si t'as juste des shorts puis il pleut toute la semaine, you know, I'm gonna feel bad for you. So, make sure you really check your weather. Parce que c'est pas parce que tu vas dans le sud, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie. Which, even sometimes when you go in the south, la pluie va peut-être durer 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, but au moins tu sais qu'il y a un risque de pluie. So, moi j'ai regardé la météo. La météo, il va faire beau toute la semaine. So, je sais que je peux emmener des vêtements d'été, mais je vais quand même emmener quelque chose just in case. Je vais commencer avec la base qui n'est pas vraiment importante, comme par exemple mon pyjama. So, je vais mettre mon pyjama. Je vais garder dans le fond la partie ici pour vraiment ce que je vais utiliser, like my everyday thing. Puis ici, c'est qu'est-ce que je vais pas utiliser tout le temps. So, make-up, pyjama, wipes, blah blah blah. So. Next, je vais mettre, même si je sais que je suis pas nécessairement dans ma semaine, but dans ça, j'ai des wipes, pads, tampons, etc. Ça va aller là ici. What else? My headphones for working out. Je vais les mettre ici aussi. And also my makeup. Very small. The reason why is because most of the stuff that I have are like travel size stuff. Okay, comme ça c'est petit, ça prend pas de place. Mon Fenty lip gloss, setting powder. Laurent Mercier, comme c'est des petites choses, donc ça c'est vraiment un tout petit travel pouch. Si je peux me permettre, type numéro 3, achetez donc des maquillages travel size. Ça sert à rien de amener le maquillage que vous avez chez vous puis de le mettre dans votre valise. C'est tellement plus pratique quand c'est petit, ça prend moins de place. Si c'est vraiment ça que tu veux, go ahead, mais je trouve que des fois t'as même pas le temps d'utiliser tout. Petit truc. So, make-up here. On va passer à la partie ici. So, shoes that I can wear not only every day and that I can work out with. Alors, j'ai mes Converse ici. Moi, I have a really bad pet peeve. J'arrive pas à aller dans la douche without slippers. I do have slippers that I use in the shower. These are like just slippers that I got au spa, le finlandais. Je les avais achetés quand j'avais été au spa. Et je les utilise pour vraiment aller dans la douche. Si je vais au bord de la piscine, j'ai des sandales. I don't want to cut any like fungus or things like that. Especially because as a cabin crew, on va dans tellement d'hôtels que je préfère ne pas prendre de chance de mettre mes pieds directement dans le bain. Alors, j'ai mes sandales pour le bain ici, que j'utilise aussi pour aller à la plage ou whatever. So, je les mets au fond ici, because when I, after I use them, they're gonna be wet. C'est pour ça que je les mets au fond, comme ça au moins, ça touche pas mes vêtements. Next, slippers to walk around in my room.
ensuite, bathing suit. Of course, I'm going to LA, so I'm gonna need a bathing suit. So I am just going to put this bathing suit. That's so funny because this is so American. Anyways, bathing suit que je mets dans la poche. Je sais pas si vous voyez, mais comme sur le côté, j'ai comme deux poches. Donc, j'ai mis mes pantoufles dans un côté puis mon maillot de bain dans l'autre. Si je vais aller m'entraîner au gym, I need a workout set. This is my BO&T workout set. I did an active wear haul. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir tout de suite. Ça va être dans le haut de la vidéo ici. I'm gonna plug it in. So, next tip. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, faire ça, mais moi, je roule mes vêtements. Ça prend moins de place et ça me permet de mettre plus de choses. Donc, je vais rouler mes vêtements. I don't need them to be perfectly folded. Mais comme, si j'ai, on va dire, let's say I have like a nice shirt that I need to wear, like a linen or whatever. If I really need, I'm gonna have to roll. But if not, I'm just gonna use the iron. C'est une affaire à repasser? Ouais, c'est ça. So I have my Ray-Bans here that I'm going to wear. Now I have to figure out what am I going to wear. Let me figure this thing out. And it's like a work trip. I don't really care that much of what I'm wearing. Dans le sens que I'm here on a layover for work. Fait, fashion is not really my priority. Je vais quand même être cute là. Je dis pas que je vais arriver dress comme. Mais je vais quand même pas prendre le temps de mettre like all my designer stuff and whatever. I want to look low-key. Un autre truc aussi en voyage. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment le flashy flashy. That's you. But sometimes it's good to be low-key, you know? Just wear a simple t-shirt with shorts. My opinion, but you do what you want. Fait que je vais emmener so I have one fit to go out, the jeans with my bathing suit to go to the beach. Then, what I'm going to bring too, a simple black t-shirt, just to have an extra top, you know, because if I don't feel like I want to wear the tube, then j'ai une autre option. Donc, je vais mettre le t-shirt aussi. Fait que je peux mettre le t-shirt avec le jeans, avec le pantalon, ok? Et je vais aussi mettre un autre pantalon, juste pour avoir une autre option. Je vais mettre ce jogger. Et aussi la raison pourquoi je mets ce pantalon-là avec le t-shirt noir, c'est parce que, let's say something happened, my flight is canceled, then I'm here for another day. Or let's say I have to deadhead, which happens sometimes, but you just never know. Je veux avoir d'autres options de vêtements qui sont appropriées pour mettre dans l'avion. Et aussi d'autres vêtements, juste au cas où, comme j'ai dit, si jamais mon vol est cancellé, au moins je sais que j'ai une autre option de vêtements. C'est réglé. Alors j'ai quatre combinaisons de vêtements. Deux paires de souliers, pantoufles, des sandales pour le bain à la plage, mon maillot de bain, mes lunettes, mes vêtements pour m'entraîner. Et voilà. Ma valise, elle est complète sur mes vêtements. Dans ce petit pouch, je vais mettre mes sous-vêtements. Ça, vous n'avez pas besoin de les voir. Arrête. On va parler des vraies affaires. On va parler des liquids. Comme ça, ne pas me compliquer la vie. So, everything that I bring is travel size. Even if some destination, we don't have any... Il n'y a pas de contrôle au niveau des liquides. Vous pouvez emmener ce que vous voulez. Comme aux États-Unis, il n'y a pas de contrôle des liquides. Vous pouvez emmener une grosse bouteille de produits dans votre valise enregistrée. Mais quand c'est votre valise à bord, oui, il faut que vos produits soient en bas de 100 ml. Moi, ça me permet d'amener cette petite valise dont j'emmène tout travel size. Tous mes produits sont dans cette pochette. Ça,
C'est des pochettes Women's Best que j'avais acheté mes vêtements d'entraînement. Puis j'ai juste gardé la pochette parce que pour de vrai, c'est un Ziploc. So ça me permet de mettre tous mes produits. Donc, je vais vous les montrer ici. Puis en vous les montrant, je vais voir s'il me manque quelque chose. Brosse à dents. Pâte à dents. Body lotion. Face wash. Face serum. Perfume. Calvin Klein. And I also have this tiny travel size Versace. My hair product, so I have oil and gel for my BB hair to lay my edges. This is makeup, so I'm gonna put this in the makeup. This is a MAC face mist, you know, a setting spray. Deodorant, soap, bar soap, which I'm starting to bring bar soap more often than body wash, like liquid body wash, parce que ça prend moins de place. No. So, bar soap. Tous mes produits sont là. Et ils vont être déposés juste là. J'ai mon peigne pour mes cheveux, my brush for my baby hair to lay my edges, rasoir. Et dans un autre petit sac séparé, I have floss. And also, I have this face towel. Mais ça, dans le fond, je vais le mettre dans ça parce que my face serum, des fois, il tombe puis je veux pas qu'il coule. Fait que je l'enveloppe dans une des barbouillettes, là, un face towel. Comme ça, ça va pas couler sur mes autres produits. Like this. Puis ça, c'est tellement petit. Ça peut aller ici aussi. OK? Ensuite, dernière chose. Oh! I forgot my sunscreen que je vais aller prendre dans ma toilette. I love this brand. It smells so good and it makes your skin so glowy. So, SPF 30. So, I'm going to put this in my toiletries. And last thing, I have a beach towel. So, si on va à la plage, j'ai cette serviette de plage que je vais mettre dans le fond par-dessus. I have this beach bag, so I can put my stuff like sandals, cream, whatever, if I have water bottles, snacks. I have this bag, which says, beach please. Okay, very dumb. Your girl is packed, you guys. You see? You see that? And yes, it's gonna, ça va se fermer. Si vous voulez vraiment voir à quel point, regardez. Oh. Regardez-moi ça. I am done. Here, in the front, what do I have? So, ici, j'ai des tests de Covianna. If you know, you know. Just in case. Des probiotics, comme des probiotiques pour le voyage. Si vous êtes quelqu'un qui a l'estomac sensible, ils le vendent dans la section voyage, mais aussi, j'ai oublié dans quelle section, je pense avec les produits, tu sais, les laxatifs, blablabla. Ça, vous les prenez avant votre voyage, ça aide à digérer puis à vous donner des probiotiques avant votre voyage. So, good to know. J'ai, dans cette pochette-là, j'ai lima ong, une autre lima ong. Pareil, j'aime ça me limer les ongles. Puis j'ai un petit kit. Oh, tu vois, j'en avais une. Et j'ai un petit kit de couture si jamais j'ai un bouton, quelque chose ou une couture à faire, whatever. Sur ça, j'ai ça dans cette pochette-là. Ici, ici, j'ai mon sac que j'appelle mon sac d'épicerie. Un petit sac réutilisable. Comme ça, j'ai pas besoin d'acheter de sac. Ça, je vais le laisser là parce que si jamais je vais au Trader Joe's, et je dis si jamais, but I know I'm going to Trader Joe's, je vais pouvoir amener ça. Et j'ai aussi mon pouch, my guest pouch. So, when we go out, we go for groceries, we go for dinner. Ça, c'est comme ma sacoche de voyage. I like to have fanny packs type of bags. Les sacoches, j'aime ça, mais je ne recommanderais peut-être pas au niveau de la pratique. Comment? Pratique. Practically? Pratique. C'est pas pratique, OK?
Et j'ai une chemise en extra pour mon uniforme ici, que je la laisse là. Et je la mets à part parce que justement elle est blanche, fait que je ne vais pas prendre de chance qu'il y ait un produit ou quelque chose qui tache dessus. So. And there you have it, you guys. So that's how I pack. C'est comme ça que je fais ma valise, pratique, compact et efficace. Si jamais vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce. So make sure you like, comment, and subscribe. And also, do not forget to turn on your post notifications because you don't want to miss any of my videos. You already know the drill. Si jamais ça vous tente que je fasse une autre vidéo, comme je vous ai dit, ma valise, c'est vraiment ma valise. Ça, c'est des trucs que j'utilise pas pendant le vol. C'est les choses que j'aurais besoin seulement à l'hôtel. But my lunch box is really everything that I need during my flight. So if you want to see everything that I pack to use during my flight, make sure you thumbs up this video. In the meantime, on va se voir dans la prochaine vidéo. Be safe and take care. I love you guys. Peace. Thank you.